Salut les survivants, bienvenue pour cette nouvelle journée sur le jeu 7 Days to Die. La veille, nous avons subi deux infections qu'il nous faut encore soigner. Il semblerait qu'en ville, les zombies soient bien plus violents qu'à la campagne. Alors pour cette journée, je vous propose de partir à la recherche de soins et de médicaments afin de pouvoir survivre à toutes les blessures ou infections. C'est parti! Alors, faisons un rapide petit tour. Écoute, on est prêt pour la prochaine nuit sanglante, je pense, hein. On va défaire la passerelle. Et je pense qu'on est bon. Alors, ben on va commencer par aller se soigner. Alors, déjà un antibio pour commencer. Le bras cassé, je ne peux strictement rien faire. Je crois pas en tout cas. On va essayer, mais c'est ça. Même le plâtre. Peut-être se recoudre. Non plus. Allez, c'est parti. Direction la fabrique d'armes, s'il veut bien monter sur la moto. Et c'est bien là. C'est bien ici, on y arrive. Ouf. J'avais bien vidé la moto cette fois-ci. Donc elle est dispo. On va faire le plein. On va reposer ça de suite dedans. Et puis ben on y va, hein. On va y aller doucement, par étapes. Donc ici, en fait, c'est la fabrique de médicaments. Pop and Pills. Donc j'espère qu'on aura des médocs. Hein. Vu comment on s'est fait déchirer la tronche sur les derniers épisodes. Oh, ça a l'air calme. Hein. Je vois rien pour l'instant. Donc ici, on a l'entrée, bien trop évidente pour nous. On va essayer de voir si on trouve pas autre chose. J'espère qu'il n'y aura pas un chien. Vous savez, j'adore ça. J'adore les chiens. De la flotte, un bureau déjà ouvert. Ok. On va se préparer. Hein. On va prendre le pétard au cas où il y a le chien. RS. C'est verrouillé. Des détritus. Pour l'instant, il n'y a pas de chien. Waouh! Le marteau level 6. Ah bah purée. On va voir si on peut tuer des choses discrètement. Bon, je vois rien. J'ai l'impression que c'est calme. J'ai pas l'impression que ce soit calme. Ah, y a rien là. On peut fermer. Y a du furieux. Ouais. On va essayer de les faire un par un. Super, si je me coince. Bon, t'as pas appris à crever, toi? J'ai déjà une blessure au genou de... On va se calmer, là, oh! Décidément, il y a du furieux, là. C'est quoi ce POI? Dans quoi je m'embarque?
Au final, je vais avoir besoin de plus de soins que ce que je vais en trouver dans le POI. C'était juste l'entrée, hein. C'était juste l'entrée et j'ai déjà mal au genou. Et bon, on est bien parti. On est bien parti, je le sens bien. Peut-être que j'ai parlé trop fort en rentrant. C'est le moment de tester. Pouah, tu parles. Y'a rien là, one shot, hein. Ah, deux, y'en a deux. Wow. Je suis à 33% déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis arrivé à 12-13. Qu'est-ce que c'est? Ils se sont fait péter tous deux devant la porte. Morceau de tissu, du fer, ça je prends. Dans quoi je m'embarque? J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On vient de commencer le POI. Je suis déjà à 55 sur 142. Là, je bats des records de nullité. Hein. Ça pour des ordures, non, je me suis dit dans les ordures il va y avoir un truc de magique. Vu comme elles sont cachées. Que de la daube pour l'instant. C'est quoi cette violence? Bon. Ben vous savez quoi? Parce que j'ai... Oh, 2034. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est de le faire ce POI, parce que... Maintenant que j'y suis rentré, je suis bien curieux de savoir pourquoi il y a autant de zombies qui cachent... qui sont là à essayer de protéger quelque chose. Waouh. Eh ben, on va rentrer s'équiper et on revient tout de suite. Chargeur bloc. Je ne vais pas laisser ce POI avoir le dernier mot. Ici, on va faire le plein de munitions. Donc directement, celle-là, celle-là, on aura suffisamment. En nourriture, on va se gaver aussi. On va prendre ce qu'il faut en flotte. Nous voilà de retour. On va se préparer une porte de sortie.
Voilà, prêt à partir. On va réparer de suite le pétard. Lui aussi, je voudrais pas qu'il tombe en rade. Ça, c'est chargé. Le fusil rose, c'est normal. Et lui, on y met une flèche. Et on va éviter de se faire prendre à revers par une horde où on sait pas encore quoi. Verrouiller. Si c'est verrouillé, on va pas insister. Là, il y a un escalier. Là-bas, je les ai tués et je me suis sauvé après. Et ici, pareil, c'est verrouillé. Waouh, c'est même calfeutré. Quoi? Calme-toi, toi. J'ai pas encore pris mes médocs. Qu'est-ce qu'il y a comme costard cravate dans les labos? Voilà, je suis prêt. Et on va assurer, hein. Accessible ça, non, ça a l'air vide en plus. Il y en a deux. La porte est fermée. D'accord, ils s'en foutent. Il y a une porte quand même, hein. Ah bah dis donc. Coquinou. De 2034, bon, on est loin. Hein. C'est dans 10 ans. Ouh là 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 là. On a le choix entre aller en bas et pas aller en bas. Et moi, j'opte pour le. J'ai pas le choix, c'est ça? C'est quoi ces cuves là? Bon, il est temps d'assurer, on va rester au pétard. Hein. Y'a rien là. Ah yes, on va pouvoir commencer les médocs de la javel. C'est pas ce que j'aurais espéré, mais bon. Ouais. Ouais, c'est de la daube. Un mec qui est mort. On va le recycler après le siège. Oh, wow, il sort d'où lui? Mais je pensais qu'il y avait un cadavre juste. Il était dans son petit coin là. Je pensais qu'il y aurait ça en fait, comme dans l'autre. Hein. Déverrouillé. Bah, j'aurais pas dû appuyer comme. Eh ouais. Ça m'apprendra. Regardez. Wouhou. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte là, lui. Je sais pas où il a couru.
se surveille là parce que... D'accord, il vient d'apparaître ici, le mec. Il a réussi, je ne sais pas par où, à faire le tour du bâtiment. Ça sert à rien, c'est ça? Ah! Il y a un coup de lag. Oh, secours! Où est-ce que je vais m'abriter ici, moi? Eux, ils se sont mis là, donc je peux déjà... D'accord, lui, je peux le plier. Lui, je l'ai eu. À mon avis, il y en a un qui va pop ici, là, le vert. D'accord, c'est deux. Hop là, hop, 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 hop. Je vois bien le coup arriver par derrière. Hop là. Aïe, un puce exigu. Waouh. C'est ça, vas-y. Il en reste encore. Ok. Purée, ce POI là. C'est quoi ça? Peut-être la suite. Ben dis donc. Je pense que je vais plus gaspiller de soins et de munitions dans ce POI que ce que je vais en gagner. D'ailleurs, pour l'instant, en soins. On va regarder, mais. C'est la dèche, hein. J'ai l'impression. On peut avancer. Oh, on arrive sur un toit. En général, c'est OK Coral sur les toits. Ah, déjà. Alors avec un peu de chance ici, c'est des vers qui cèdent. Non, c'est blindé. Putain, pourquoi c'est blindé? Ça, c'est pas blindé, ça. Eh, vas-y, viens. Pas sauter là-dessus là. Oh là 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 là.
T'es pas fait la jambe, toi? Purée, chaque progression, à chaque fois que je passe un... Et je les ai fait tomber où, d'ailleurs? D'accord, ils sont là. Eh ben dis donc. On va se soigner, hein. C'était censé être une mission pour me trouver de la vie. Ça, c'est l'étage du dessous. Et je suis en train de tomber toutes mes munes. Et ma vie. Et mes soins. 29. Je m'en fous. Pas le moment. Ah, mais il va m'en falloir du gazole pour m'enfuir. Voilà, on va essayer de se le faire à travers... Ah ouais! Mais c'est qu'ils sont tous furieux dans ce bâtiment là! Calmons-nous! Discutons! Il y a très certainement un malentendu à la base de notre conflit. Oh, des myrtilles. Regardez, une caisse de médoc. Ah ben oui. Je vais refaire le plein. Et le reste, je n'en veux pas. Il n'y avait rien dans le camion quand je suis passé tout à l'heure. Mais ça, j'aurais dû rien faire, j'ai l'impression qu'elle m'avait perdu de vue. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est lui là. Non? On t'a pas appris à crever? Aïe, eux, on peut les faire au contact. Il va se faire sauter. Il va se faire sauter. Vas-y, explose. Un furieux. Tu m'étonnes. Hop, esquive. Je t'ai fait une esquive de la loutre, mon pote. Ouh, il y a un caddie qui a sauté. Madame, ne nous enflammons pas. Oh, purée.
Oh, il y en a encore un là, quoi. Mais crève! Ok. Il faut à tout prix qu'on ait des soins. Allez, cache-toi. Oh, c'est l'air calme. Pourquoi c'est si calme? Pourquoi c'est si calme? La porte est déverrouillée, donc... Y a quelqu'un? Pourquoi? On va essayer de faire on va l'escarder. Non. Il est où? C'est quand même un radioactif, hein. On va faire le plein de munitions et on va laisser le faire. On faisait le plein. Oui, voilà, je vois pas du tout où est le problème. Quand il y a un souci, il suffit d'en discuter. Il est tombé de... D'accord, il est tombé de là. Verrouillé, verrouillé. Oh là là, ce serait pas de l'eau radioactive, ça? Bref, oh, il y a des munitions. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau, je sais pas du tout si c'est... Oh purée, les doctoresses. Ouais. Ben elles viennent de tuer le mythe de l'infirmière, celle-là. C'est pas charmante, hein. On utilise, hein. Ça, je m'en fous de ces chaussures. Oh, il y a du monde là. Ça a pas l'air bien violent, on va en profiter. Oh!
D'accord. Une grosse machine à laver, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Rien de bien méchant. Ah mais ils sont tous énervés en fait. Calmez-vous là. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wow, purée. C'est la fin. C'était le dernier épisode pour l'Alpha 21, et j'espère que cette aventure vous a plu. En effet, à compter de la semaine prochaine, la nouvelle version du jeu, la 1.0, sortira et nous débuterons ensemble une nouvelle aventure. A très bientôt. Merci à tous les survivants qui ont suivi l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en fin de vidéo, à vous abonner ou à me laisser un petit pouce bleu. Sachez également que vous pouvez me suivre en live tous les lundis soirs sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez tous les liens de mes réseaux sociaux sur mon site internet qui s'affiche devant vous. Merci à tous !